bonsoir. Vous écoutez Kaskas FM 95.9. Il est 20h30 sur les ondes. C'est l'heure de la grande édition, présentation Ibrahima Dembélé, cabine technique Mika Sall. Dans un instant, les titres. Le chef de l'État, Macky Sall, a exprimé toute sa compassion aux familles ayant perdu des proches après les fortes pluies de samedi et leur présente ses condoléances ainsi que celles de la nation. À Fatick, 111 candidats à l'immigration ont été arrêtés samedi dans les boulons de Diffère, a-t-on appris d'une source sécuritaire de l'agence de presse sénégalaise. En Mauritanie, le ministre de l'Habitat a mis en garde contre l'achat ou la vente de terrains publics dans la wilaya de Tayrat au nord de Nouakchott. Dans un instant, le développement. Le chef de l'État, Macky Sall, a exprimé toute sa compassion aux familles ayant perdu des proches. Après les fortes pluies de samedi, il leur présente ses condoléances ainsi que celles de la nation. Macky Sall, actuellement en visite hors du Sénégal, réagissait dimanche à la télévision nationale RTS suite aux fortes pluies tombées samedi sur plusieurs endroits du pays, notamment à Dakar et sa banlieue. Selon lui, parmi ces trois décès, l'un a été enregistré à Sadel, une localité de la commune de Bokidjawe dans le nord du Sénégal, l'autre à Cambérène et un troisième à Yumbel Nord dans le département de Kër Massar. Il a rappelé avoir donné des instructions au ministre de l'Intérieur et celui en charge de l'eau et de l'assainissement de faire la situation journalière de concert avec le service de la météorologie et de donner des recommandations sur les mesures à prendre en cas de forte pluie. Après un début de matinée stable, l'ANACIM annonce le débit des orages et pluies d'intensité variable sur le pays durant cet après-midi allant à la nuit, notamment sur la façade ouest, Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kies, Dakar et sur les zones sud, Sédiou, Kolda et centre, Djourbel, Kaffrine ainsi qu'au nord, Louga, Saint-Louis. Les pluies devraient être plus marquées à Ziguinchor, Fatick, Kies, Dakar et Djourbel. Le mouvement pour une nouvelle dynamique sociale a débuté samedi un reboisement avec l'ambition de planter plus de 170 arbres à Kër Cheikh Ibrahima Fall, plus particulièrement aux alentours du domicile de feu Bay Cheikh Ndaw, a expliqué le chargé de communication du mouvement Mohamed Diakité. Il s'entretenait avec des journalistes lors de cette activité de reboisement initiée par son mouvement. Le vote pour l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales a démarré ce dimanche à 8h dans plusieurs lieux de vote, du pays, a constaté le reporter de l'APS. 12 listes sont en compétition pour ce scrutin où seuls 80 conseillers sur les 150 que compte cette institution sont élus au suffrage universel indirect par les conseillers municipaux et départementaux. Les 110 autres sont désignés par le chef de l'État parmi les membres de la société civile, les organisations socio-professionnelles et diverses catégories de la société. Depuis 2016, le Haut Conseil des collectivités territoriales, institué par le président de la République, vise à apporter une touche nouvelle à l'acte 3 de la décentralisation, indique le site officiel de cette institution. Malgré l'appel au boycott des coalitions de l'opposition, le ministre conseiller, maire de la Médina, Bamba Fall, révèle que ses conseillers, des conseillers issus de Yewi et Walu et d'autres partis de l'opposition sont venus voter pour la coalition Beno Bokayakar pour le scrutin du Haut Conseil. Ce qui dit pour l'édile de la Médina que l'appel des leaders de l'opposition au boycott n'a pas été suivi, ce qui, à son avis, est un échec. Sur 809 tests effectués, le Sénégal enregistre 9 nouveaux cas, dont 4 cas importés et 5 issus de la transmission communautaire, soit un taux de positivité de 1,11%. 13 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Le nombre de personnes vaccinées est de 1,524,352. Le secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal va décréter lundi une grève de 48 heures, a annoncé dimanche son secrétaire général Dr Yeri Camara lors d'une conférence de presse. Cette conférence de presse portait essentiellement sur la situation de l'équipe du bloc opératoire du centre de santé de Kédougou composé d'un gynécologue,
et de deux de ses collaborateurs arrêtés suite au décès en couche de Mami Doura et de son bébé. Selon lui, ses camarades font leur travail. Malheureusement, les décès maternels sont une réalité au Sénégal, a-t-il fait comprendre. Candidats à l'immigration, dont 68 Sénégalais, ont été arrêtés samedi dans les bolons de l'île de Djifer, dans la région de Fatick, a appris l'APS d'une source sécuritaire. Elle précise qu'à la suite d'un appel de détresse, une patrouille fluviale a réussi à arraisonner une pirogue au bord de laquelle se trouvaient 111 passagers, dont 68 Sénégalais, 22 Gambiens, 19 Bissau-Guinéens et 2 Guinéens. La même source a ajouté que les passagers interpellés ont été conduits à la brigade territoriale de la gendarmerie de Fimela pour les besoins d'audition dans le cadre de l'enquête ouverte pour situer les responsabilités. Selon cette source sécuritaire, les passagers auraient déboursé chacun entre 250 000 et 500 000 francs CFA pour l'allier l'Europe. Nous allons à la page internationale. L'actualité internationale. Le ministre de l'Habitat a mis en garde contre l'achat ou la vente de terrains publics dans la wilaya de Teyrat au nord de Nouakchott, soulignant qu'il a reçu des informations selon lesquelles certaines personnes ont acheté et vendu des terrains publics dans cette wilaya. Dans un communiqué, le ministre a indiqué que toute opération d'achat et de vente de ces terres sont considérées comme une violation de la loi et que toutes les parties impliquées seront traduites à la justice, le vendeur, l'acheteur et le notaire. Au Mali, selon le site Africa Intelligence, les présidents Alassane Dramane Ouattara et Assimi Goïta ont récemment trouvé un accord sur l'élargissement des soldats ivoiriens inculpés à Bamako pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. L'affaire a fait grand bruit sur le continent. Le 10 juillet dernier, le Mali a arrêté 49 militaires ivoiriens à leur arrivée à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Si la Côte d'Ivoire n'a cessé d'affirmer que ces soldats ont été déployés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, les autorités de transition du dit pays ont dénoncé une tentative de déstabilisation. En Guinée, actuellement à Istanbul, en Turquie, l'ancien président de la Guinée, Alpha Condé, a été hospitalisé depuis hier soir avant d'être envoyé en urgence dimanche. Selon une source sûre citée par l'Afrique Africa Guinée, l'ex-dirigeant guinéen a été admis hier à l'hôpital, mais son hospitalisation s'est faite aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a proclamé dimanche les résultats provisoires des élections législatives et sénatoriales partielles du 3 septembre 2022. M. Émile Ebrotier, le porte-parole de la commission électorale indépendante, institution en charge des élections en Côte d'Ivoire, a dévoilé ce jour les résultats provisoires des législatives et des sénatoriales partielles ce dimanche face à la presse. Maintenant, nous allons à la page sport. Bonsoir Adama. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le week-end. Tout à fait. Donc, nous aurons un week-end très chargé. Bien sûr, Monsieur Lee, donc football local d'abord, tournoi interquartier de Aram, résultat match du jour, AS Nema, qui a battu AS Sintian le score d'un but à zéro. Tournoi Lemelzas Bangodo, Boki Dialoubé, AS Galoya, Boki Dialoubé, AS Galoya qui a battu AS Boki le score de 2 buts à zéro. Programme de demain, 5 septembre, AS Golero Zora contre l'AC Horefonde et l'AC Kaskas va jouer le mardi 6 septembre contre l'AC Souré Tchambé. La Liga, Nicolas Zakop décisif, Villarreal, Coriz Els, donc c'est déjà on est au championnat, dans les championnats européens. Donc en Espagne, c'est la Liga espagnole. Nicolas Zakop, c'est le jeune attaquant sénégalais, donc décisif, Villarreal, Coriz Els, 4 buts à 0. Titulaire pour la troisième fois en championnat cette saison, Nicolas Zakop s'est montré
à la hauteur avec une passe décisive sur le deuxième but des siennes. Averti pour contestation en fin de première période, le jeune attaquant sénégalais a été sorti par Unai Emery, c'est l'entraîneur de Villarreal, à la pause. Donc jeudi, Zakop et ses partenaires accueilleront le Poznan en Ligue Europa Conference. Donc nous terminons d'abord nous allons terminer avec les résultats de la Liga, bien sûr, avant de revenir pour le Mercato. Donc toujours en Liga, résultat match du jour, voilà, en Liga, c'est en Espagne, résultat match du jour, Villarreal se joue actuellement contre Getafe, déjà à la 80e minute, le score est de 5-1 pour Villarreal, pour Valence, bien sûr, Valence qui joue avec Getafe, à la 80e minute, le score est de 5-1, Villarreal, voilà, on a déjà dit, c'est contre Elche, 4-0, Espagnol Barça qui a battu Atlético Bilbao, 1-0, Osasuna contre Real Vallecano, 2-1. Voilà, en Premier League, Manchester United qui a battu le leader Arsenal, 3-1, donc Arsenal qui reste toujours leader avec 15 points, mais Manchester United revient avec revient en 5e place avec 12 points, City qui est deuxième avec 14 points, à 1 point de leader Arsenal, Tottenham qui est troisième avec 14 points, donc Chelsea d'Edouard Mendy qui est sixième avec 10 points en bas de classement, donc l'équipe de Leicester de Namplis Mendy qui est dernière avec seulement 1 point, de même que Nottingham Forest de Sekou Kouyaté qui est 19e avec seulement 4 points. En France, la Ligue 1 française, donc les matchs d'aujourd'hui, Lille qui a battu Montpellier 3-1, et aussi Rennes qui a concédé l'une contre 31-1 partout, donc Strasbourg d'Adip Diallo aussi qui a concédé l'une 1-1 partout contre Brest, Clermont de Modi Diaw, c'est le jeune portier sénégalais Modi Diaw, donc qui a battu Toulouse 2-0. Monaco qui a aussi battu Nice 1-0. En Italie, c'est déjà terminé le match, Rome contre Udinese. Donc Rome a perdu devant Udinese 4-0. Sampdoria qui a aussi perdu contre Vérone 2-1 en Bundesliga. Donc Mayence qui a battu Gladbach 1-0. Maintenant nous parlons de Mercato, donc avec bien sûr Bamba Dieng. Royal c'est un club de championnat belge. Royal Antwerp souhaite recruter Bamba Dieng. Selon le quotidien français L'Équipe, l'actuel leader du championnat de Belgique et propriétaire de Manant de l'Immobilier prépare une offre pour le Sénégalais qui devrait s'élever autour de 7 millions d'euros. La même source précise que les essences ont déjà eu entre le club français et le camp de la formation belge. Malgré la fermeture du mercato dans certains pays, le transfert de Bamba vers la Belgique pourrait avoir lieu puisque le marché belge reste ouvert jusqu'au 6 septembre. Tottenham aussi, Tottenham qui maintient Pape Matar Sarr retenu dans la liste pour la Ligue des Champions. On débute la Ligue des Champions. Ligue des Champions qui va débuter ce mercredi avec la réception de Olympique de Marseille. Donc par ailleurs, Antoine Conte et son staff ont composé une liste de 25 joueurs pour prendre part à cette première phase. Et il y a la présence de Pape Matar Sarr, le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, plus un joueur dans l'effectif des Super, semble n'avoir pas perdu la confiance de son entraîneur. Il pourrait alors découvrir dans les prochaines semaines et pour la première fois les soirées européennes. Voilà ce qui fait l'essentiel. Merci Adama. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le chef de l'État Macky Sall a exprimé toute sa compassion aux familles ayant perdu des proches après les fortes pluies de samedi et leur présente ses condoléances ainsi que celles de la nation.
111 candidats à l'immigration ont été arrêtés samedi dans les bolons de l'île de Djifer, a-t-on appris d'une source sécuritaire. En Mauritanie, le ministre de l'Habitat a mis en garde contre l'achat ou la vente de terrains publics dans la wilaya de Terat au nord de Nouakchott. Merci. Dans quelques instants, vous aurez la version poulard avec Demba Dieng.